Yo tout le monde, c'est Kenan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, dans cette vidéo on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui ce qu'on va faire les amis, c'est une vidéo très très spéciale car il y a beaucoup de choses qui se passent sur Fortnite. Donc déjà allons voir les actus. Donc des défis, voilà, par rapport à Travis Scott. Et ici nous avons justement le skin qui est sorti d'ailleurs dans la boutique. Juste derrière nous avons un astéroïde qui est d'ailleurs présent dans le ciel de la map de Fortnite, voilà. Donc sur cet astéroïde nous avons un parc d'attractions avec la grande roue et des montagnes russes et d'autres manèges. Donc ça ressemble à un parc d'attractions et c'est un parc d'attractions pour moi. Ici voilà, nous avons ça. Et du coup maintenant, allons voir la boutique car nous avons le skin de Travis Scott, voilà, que je vous montre vite fait. Parce que il y a un truc incroyable dans la boutique, vous allez voir. Donc voilà, deux variantes. Le skin, qu'est-ce que j'en pense? Il est vraiment badass, franchement. Plutôt stylé. Et là, regardez, nous avons ce skin-là. Mais nous avons cette variante-là qui est la plus importante car... Oui, vous avez vu. Qu'est-ce que j'ai vu? L'ancienne map de Fortnite. Donc est-ce que ça annonce le retour de la map? Est-ce que ça annonce un mode de jeu avec son retour? Je sais pas, mais en tout cas, on peut se poser des questions. Pourquoi avons-nous la map du chapitre 1 sur cette variante du skin? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Regardez, ça, c'est l'astéroïde qui est présent dans le ciel du jeu. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, avant de commencer la game, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications et abonnez-vous. Et du coup, nous, on va directement y aller. Et n'oubliez pas de rester chez vous, parce que si vous restez chez vous... Eh ben vous sauvez des vies parce que rester chez soi pendant cette période, c'est une mesure de sécurité qui fait que les choses vont mieux par rapport au virus. Du coup, voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ce qui se passe dans la boutique, on va voir qu'est-ce qui se passe sur la map de Fortnite parce que, croyez-moi, il y en a des choses qui se passent sur la map de Fortnite. Donc depuis la mise à jour de hier, nous avons des têtes en or. Et du coup, cette tête, c'est celle de, du chanteur Travis Scott, que je vous ai montré dans la boutique il y a quelques instants. Et du coup, on en a plusieurs, comme ça, des têtes. Donc il y en a 4 ou 5, je crois, si je me souviens bien. Et dans le ciel du jeu, comme je vous ai dit, nous avons, voilà... Ce que je vous ai montré dans la boutique, là, donc la planète avec le parc d'attractions, qui a l'air de se rapprocher, je crois. Je sais pas, mais je crois qu'elle se rapproche de jour en jour. Dites-moi en commentaire, mais en fait, ça fait quelques jours que l'astéroïde est là, donc allons le voir là de plus près. Mais j'ai l'impression qu'il se rapproche, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu justement dans la boutique avec le parc d'attractions. Et certains disent qu'en son centre, ils voient le cube. Et d'ailleurs, quand on se rapproche, on voit, regardez, qu'est-ce qu'on entend. On a entendu un petit peu de musique. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais moi, j'ai très clairement entendu de la musique, voilà. Et du coup, regarde, vous revoici l'astéroïde. Et il y a de la musique dessus, normalement. Donc, certains disent, comme je vous ai dit au début, voir le skin... Non, le cube, je veux dire. Sur l'astéroïde. Donc moi, ce n'est pas le cube que je vois, même si c'est très semblable. Moi, je vois plutôt des haut-parleurs en forme de carré. Mais je vois plutôt un gros haut-parleur. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voyez, vous. Mais moi, je ne vois clairement pas le cube, car déjà, les bords sont arrondis. Et que les bords du cube étaient pointus, souvenez-vous. Et nous avons... sur chaque côté des creux qui fait justement penser au haut-parleur. Donc du coup, voici la raison pour laquelle moi je ne vois pas du tout le cube, mais il y a aussi quelque chose qui se passe avec le cube à Stimistack. Il y en a qui disent qu'il est passé en phase d'activation. Donc moi j'ai été voir et genre j'ai pas vu de différence, mais bon peut-être. Hein. Est-ce qu'il va se passer un truc à Stimistack avec le cube? Je ne sais pas. Il y en a qui disent que Frenzy Farm va brûler. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir sur un écran de chargement qui est dans le pass de combat. Donc, comme je vous avais vu au début de vidéo, sachez que nous avons des défis. Et d'ailleurs, rebondir sur la tête
en or que vous voyez là-bas. Donc il y en a une, deux. Normalement juste en dessous de moi, il y en a une. Ah non, ah bah alors elle est là-bas. Voilà, 3, 4. Et je crois qu'il y en a une cinquième, un petit peu plus loin. Attendez, une. 2, 3, 4. Et oui, oui, 5. Voilà. Vous devez rebondir dessus. Donc moi j'ai déjà rebondi sur 4 têtes et je crois que celle qui me manque, c'est peut-être celle-ci là. Je l'espère. Comme ça je vais pouvoir finir mon défi et peut-être gagner une danse, si je me souviens bien. Allez, faites que ce soit ça. Non, non, ce n'est pas elle. J'ai déjà rebondi sur elle alors. Bon, alors laquelle c'est? Je sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de nager là-bas. Est-ce que on va engager un combat de pioche? Je ne sais pas, peut-être. Allons le voir. Je crois que ça va partir sur un combat de pioche, les amis. Ok, donc il est mort. Donne-moi ce coffre. Merci beaucoup, pompe tactique, un harpon. D'ailleurs, nous avons pêché du poisson car il nous a mis à 40 HP. Donc allons voir la scène qui est en construction juste là-bas. Et ensuite, partons en zone. Donc voici, la scène est en construction. Donc c'est là que justement le chanteur va faire son concert. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout, car non seulement il va faire son concert, mais en plus, nous allons avoir un morceau de sa nouvelle musique en avant-première sur le jeu. C'est pas magnifique, ça, les amis? Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable, les amis, hein, un morceau en avant-première. Et du coup, voilà. Donc, moi, je ne connaissais pas ce chanteur. Voilà, justement, pendant l'événement, quand il va chanter, ben, je découvris. Et puis, voilà. Donc partons en zone, vite. Donc, est-ce que par hasard... Ouais, oui, oui, j'ai le temps. Je vais voir si c'est là-bas que j'ai pas rebondi, mais en tout cas j'ai large le temps, la zone n'est vraiment pas loin. Et de tous les cas j'ai un harpon, et je suis à un endroit où il y a beaucoup d'eau, donc pêcher ne devrait pas être un problème ici. Qu'est-ce que c'est ça qui me manquait? J'espère, comme ça je vais pouvoir finir mon défi. Ne vous inquiétez pas, hein, la zone est vraiment pas loin. Donc regardez. Donc ça a l'air d'être des têtes. Ben, c'est des têtes gonflables en fait. Ah, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut aller dessus. On va voir. Attendez. Ouais, non, attendez. Je crois que j'allais dessus. Voilà. Ok, allons voir. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Oui, enfin, ça a marché, les amis. Donc, normalement, j'ai obtenu quelque chose. Ah, j'ai obtenu un tag, d'accord. Donc, il me manque normalement un défi pour justement avoir la danse. Donc, voici une pièce d'XP. Et donc, en tout cas, moi, les amis, le sujet de cette vidéo, ben, je vous ai tout montré, en fait. Voilà, l'astéroïde, la boutique avec le skin. Travis Scott et le skin qui a l'ancienne map sur l'arrière de sa tête. En fait, non, même pas sur l'arrière de sa tête, parce qu'en fait, sa tête, elle tourne. C'est ça, le truc. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, pourquoi on a l'ancienne map qui est sur la tête de ce skin. Mais en tout cas, sa tête qui est ronde,
me fait penser justement à notre planète, les amis, la planète Terre. Et peut-être que nous avons tout simplement que sa tête, c'est la planète Terre, et que du coup, quand ça tourne, on voit l'ancienne map et celle du chapitre 2. Parce que du coup, nous sommes sur cette map, mais sur la Terre de Fortnite, elle est certainement quelque part, l'ancienne map. Ou alors, elle a été détruite. On a pu voir pendant l'événement qu'elle a été détruite, mais... Enfin, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, les amis. D'ailleurs, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, si vous avez des théories, ben voilà, dites-moi. Et moi, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires pour ben, peut-être en savoir plus sur ce qui se passe, les amis, par rapport à la théorie, par rapport à pourquoi on a l'ancienne map de Fortnite, la tête de ce skin. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout que ce qu'on peut retenir... C'est que non seulement nous avons l'ancienne map de Fortnite, mais on peut aussi rajouter un ancien, donc on va dire ancienne map, parce que on distingue pas Paradise Palm, on distingue pas la partie enneigée avec Polar Peak, on distingue que c'est la toute première de toute première map, les amis. Celle du chapitre 1, saison 1, celle qui nous a accueillis au tout début. La map qui est le début de tout, voilà, vous l'aurez compris. Et du coup, ben, voilà. Donc ça laisse les gens se poser des questions. Hein. Et puis voilà, si vous avez justement la réponse à ces questions, voilà, je vous le redis, dites-moi en commentaire. Car ça m'intéresse beaucoup, voilà. Et je suppose que je ne suis pas le seul à être intéressé. Tous les fans de Fortnite, justement, se demandent qu'est-ce qui se passe. Et moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous apporter plus de réponses que ça, voilà. Parce que je n'ai pas de théorie pour l'instant, voilà. Donc on sait aussi que Frenzy Farm va brûler, comme on peut voir sur un écran de chargement. Ça, on le sait d'ailleurs depuis le début, par rapport à l'écran de chargement. Donc Frenzy Farm n'a toujours pas brûlé, donc ça va... arriver, peut-être. Et si c'est le cas, est-ce qu'on aura encore Frenzy Farm? Ou alors, est-ce que Frenzy Farm va être remplacé par une autre ville? Il y en a qui pensent directement à Fatal Field. Car Fatal Field est justement l'ancien Frenzy Farm. Dégage. Oh là là, t'avais un très 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 fou de ça, toi, dit. Le chasseur, la hogue épique et le barrette qui fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Alors là, nous avons un excellent stuff. Ah, donc du coup, c'est toi qui avais trouvé lama, parce que j'ai trouvé des restes de lama, en fait. Regardez la preuve, parce que j'ai un pad. Du coup, je me suis dit, tiens, et ça, c'est sans doute un lama. Et ben, c'est toi qui l'avais, ce lama, parce que tu m'as donné vraiment beaucoup de constructions. Donc, moi qui ne suis pas un builder, j'aime quand même avoir des constructions, parce que, par exemple, si je trouve un améliorateur d'armes, je vais pouvoir me faire éventuellement un espace 12. Après, ça, c'est pas urgent, hein. Que j'ai un espace 12 ou un chasseur, je m'en fous un petit peu. Et bon, voilà. En tout cas, voilà, les amis, n'oubliez pas. Si vous avez des théories, dites-les-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai inventé mes propres théories. Peut-être que je vous ferai aussi une vidéo sur ce que je pense. Mais à l'heure actuelle, les gars, je peux rien vous dire de plus parce que moi-même n'ai pas d'idée en fait sur ce qui va se passer. Et d'ailleurs, quand nous on invente des théories, on est soit totalement à côté de la plaque, soit pas très loin de la vérité, mais pas non plus la vérité, parce que voilà, Fortnite, donc Epic Games, est vraiment fort,
pour nous surprendre, hein. Ok, donc je suppose que par rapport à ça, je vais me repérer. Il va peut-être tenter de me tirer dessus. Ok, non, il tente. Je vais retenter. Et ok, on l'a kill, les amis. Tu dégages. Donc allons récupérer son stuff pour voir ce qu'il avait. Et puis voilà. Moi, je suis le roi du sniper barrette, les amis. Allez, ça fait un joueur en moins. Donc j'ai actuellement 3 kills, les potes. Alors. Ok, donc je vois beaucoup de munitions par-ci, par-là. T'avais des mini-popos, c'est bien. Ok, t'en avais que une. Mais c'est pas grave. En bas, toujours plus de métal. Et puis voilà, et nous entendons des tirs, et nous allons directement aller voir ce qu'il se passe. Peut-être tenter une autre balle de sniper. Ok, donc... Ok, c'est ça. Alors, que se passe-t-il à Salty? Ok, voici. Un fight. Première balle, ne touche pas. On va tenter la grenade. Deux grenades. Ok, elles n'ont pas touché. Ok, voilà. Oh, j'aurais pas dû sauter. Elle m'a atteint la roquette. Ah là là, zut. Ok, 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 il me tire dessus. Désolé. Pas maintenant, s'il te plaît. Où es-tu? Vite là, parce que sinon, je vais pas te mourir, moi. Ok, ok, attendez, il s'éloigne. On va tenter de récupérer le loot du mec que j'ai tué. Non, 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 me touche pas, me touche pas, me touche pas. Ok, ok. Le mec ne veut sûrement pas me lâcher. Ok, un de moins. Et un deuxième de moins. Donc vous dégagez tous les deux. Ok, donc je bug, les amis. J'espère que ça se voit pas trop au gameplay, parce que c'est quelque chose d'assez désagréable pour moi. Alors je imagine. Donc hop là, faisons-nous un petit box comme ceci, voilà. Buvons. Donc nous sommes actuellement top 6. Allons-nous faire le top 1? Je ne sais pas. Ok, donc prenons nos mini-pots, éditons ce mur immédiatement. Donc let's go. Donc j'ai re 6 mini-potes. Nous allons rééditer le mur immédiatement. Hop là, nous allons nous caler le kit de soin. Comme ça on aura 100 HP et on va pouvoir terminer la game en beauté, les amis. Donc il y a quelqu'un avant et arrière de moi. Ok, 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 je suis clairement entouré, les amis. Donc c'est mauvais signe tout ça. Pour remonter, prenons notre pompe à feu. Je sais plus, on ne peut pas arriver. Donc, le chien le kill, les amis. Refaire un box pour nous boire encore une grosse popo. Donc il me semblait qu'il y avait deux gars. Oui, oui, il y avait deux gars. Donc où es-tu? Ok, j'entends encore des bruits de pas. Est-ce que Maog est rechargé? Oui, non. Okay, non. C'est pas bon. Ok. Donc, je suis actuellement en top 3. On va remettre encore une fois, les amis. Donc, dans tous les cas, je suis vraiment entouré de soins. Ça, ce n'est pas ce qui manque. Nous allons prendre la SCAR de la Hog pour bien mitrailler.
si jamais il y a un builder en fin de zone. Mettons-nous ici et buvons ceci. Ok, bois. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je me mette un kit de soin. En tout cas, j'avais laissé des mini-potions là-bas. Donc je vais les reprendre. Voilà, 6 mini-potions, c'est parfait. Ok, donc voici un kit de soin juste là. Allons nous le caler. Donc pour l'instant, ça ne se fight pas, les amis. Et je sais vraiment pas où sont les derniers. Ok, buvons vite. Enfin non, calons-nous le kit de soin vite, en fait. On jette et on reprend les potions. Maintenant, allons-y. Je suis prêt à me battre, les amis. Donc, barrette, recharger. Scar, recharger. Via pompe, pas recharger. On recharge, je sais pas, immédiatement. Et voilà. Donc maintenant, nous allons pas jouer les loups, c'est peut-être un petit peu dangereux, les amis. Donc j'ai tenté de faire du repérage. Ok, pas besoin de faire du repérage, il y a clairement quelqu'un. Et je me taille. Là. Allez, vite. La zone fait du 5x5, les amis. Non, je ne vais pas mourir. Ok, un kit de soin, c'est parfait tout ça. Le kit de soin. De cette façon. Et faisons notre top 1. J'espère que je vais parvenir à faire le top 1 en fait, les amis, parce que. Ok, mets-toi le kit de soin, stop baby. Ok, c'est parti. On se dégage de là. Arrête, recharger. Car, pas recharger. Et puis il y a pompe. Non plus. Donc, je n'ai plus de grenades, les amis. Est-ce que ça va mettre fatal de ne plus avoir de grenades, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, je ne sais pas s'il est dans ce build-là. Mais en tout cas, s'il est là-dedans, il peut. J'ai la zone. Ouais, il est là-bas. On sait très bien. Ok. Donc dans ce cas, moi, je vais tenter la balle de barrette. Tu n'es pas dans la zone. Je pense qu'il m'a vu. Il suffit que tu pointes ne serait-ce qu'un tout petit peu et puis tu vas manger la balle. Vas-y. Il n'y a que toi et moi sur la fenêtre ici, c'est pas un problème pour moi. Quelle fenêtre vas-tu utiliser? Ok, donc tu me largues en fait là. Il veut me narguer, mais ça ne marche pas, ce genre de technique avec moi. Comme 2 fois 35, les amis. Oh là, ok les amis, c'est lui qui a fait le top 1. Il avait 2 armes mythiques, les gars. Donc je buguais. Donc il me donnait vraiment beaucoup de mal à le viser.
Mais bon, c'est pas grave. Donc moi, j'ai fait ce que je voulais dans tous les cas, les amis. Donc top 2. C'est pas grave. Donc voilà. Encore une fois, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires par rapport à ça, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur Fortnite. Et dites-moi vos théories en commentaire. Du coup, moi, je vais directement vous laisser. C'était Kenan. Ciao.